Wesh les gens, on est samedi matin. J'ai la voix du matin, comme vous pouvez l'admirer, qui est ma foi fort grave et agréable. Ce ne sera pas le cas toute la journée. Aujourd'hui, FitEx, petit salon du fitness. Donc je suis à Paris. Et du coup, ce matin, je me réveille et. Est-ce que. Fais la mise au point, connard. Merci. Avant de partir au salon, je vais faire un petit réel récap de toute l'évolution sur la chaîne, ça va être marrant. Enfin, c'est 15 secondes, hein, c'est pas énorme, mais juste voilà, pour poster un truc. Fitex aujourd'hui, le premier abonné que je croise, je l'utilise comme caméraman. Voilà. Je me suis rasé les cuisses pour flex un peu. Est-ce que je vais réussir à voir? Est-ce que si je me mets là comme ça là? J'ai jamais vraiment aimé mes cuisses, mais là ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. J'aime bien le squat, les amis. Tom Place l'a dit. Ça c'est de la pâte carbo, les gens. Voilà. Là, on est bien. Je me faisais la remarque. Je me rends compte que en vrai, je suis trop habitué à faire des montages dynamiques de ouf, tu vois. Genre, en faisant des cuts un peu partout. Bah, c'est les réseaux sociaux style Instagram, TikTok qui m'ont habitué à faire ça en fait. Je pense. Dites-moi si je me trompe, mais que du coup le format YouTube là que je suis en train de faire, c'est pas du tout la même chose. Et en gros, j'essayais de remettre un peu ce que je faisais sur TikTok et Instagram sur YouTube, sur des formats plus longs. Déjà de 1, le montage, n'en parlons même pas, c'était une catastrophe. Et de 2, parce que enfin, de 2, je suis même pas sûr que ça intéresse vraiment les gens, parce que je vois en vrai, les stats sont pas. Tu vois, j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, mais même pas 3 000 abonnés sur YouTube. Après, j'aime bien YouTube, tu vois. Justement, moi, je suis plus consommateur de YouTube que d'Instagram. Mais vu que j'ai trop été habitué au code Instagram, TikTok, je sais pas faire de vidéos YouTube. Du coup, je vais tenter des montages, un peu comme celui-là. Beaucoup plus, prend son temps, fait les trucs calmes, tu vois. Et puis, on va éviter des cuts trop répétitifs et trop chiants. Voilà, bon, allez, bonne up. Je suis à la bourre. Demain, je voulais y aller pour 14h, je serai pour 15h. Et sachant que ma copine vient me récupérer à 16h, du coup, je n'aurai que une heure pour faire le con sur le salon. Objectif, donc déjà trouver un abonné pour me servir de caméraman. Et de deux, faire des défis avec des gens. Je sais pas, faire des défis de pompe, de traction, n'importe quoi, tout ce qu'on trouve. Hein. Ça va être marrant. Voilà. What? C'est quoi ça? Ah, mais c'est le zoo! Zoo de Vincennes, c'est pour ça qu'il y a de la verdure, c'est pour faire genre en fait. Bon, je vais contre les règles de la photo. J'ai pas de filtre ND, ça coûte trop cher. Et du coup, j'utilise les conseils de notre chère Farine de Blé National, de sa chaîne Fromage Frais. Et du coup, je vais augmenter le shutter speed pour avoir une meilleure qualité d'image. Peut-être que vous allez même pas le voir. Dans ce cas-là, voilà. Et non, sinon j'ai croisé. Alors j'ai regardé vite fait mes messages dans le bus. Et il y a un abonné qui m'a vu, mais qui a pas voulu venir me parler, parce que timide. Donc du coup je n'ai pas pu l'utiliser comme caméraman. Et j'ai croisé une autre abonnée en vélo, mais qui allait pas au Fit Expo et qui de toute évidence était en vélo. Du coup elle avait sûrement des trucs de prévu. Du coup je n'ai pas pu l'utiliser non plus en tant que caméraman. Du coup voilà, enfin déjà je vous croise beaucoup avec juste un trajet. Donc bon, je vais bien réussir à trouver un abonné pour être utilisé pour ma vidéo. En plus ça lui fait un job, ça va, vous allez pas me faire chier. J'espère juste qu'il sera pas chelou, parce que des fois il y a des abonnés, ils sont chelous quand même. Ouais bah ça fait un vlog sur le truc quoi. Mais tu vas mode des gens là. Je sais pas, honnêtement, je sais même pas ce que je vais trouver, tu vois. Mais juste là, faut que je trouve surtout un abonné qui me tienne ma caméra. Ouais. Bah, si tu veux, je suis chaud, moi. Ouais, mais je vais pas te déranger, t'es avec ta ouais, copine non, et tout. Mais bien sûr, on est là pour visiter, donc toi, c'est là pour. Bah, écoute, si jamais tu peux me servir de caméraman, ouais, vas-y, ça moi, je suis chaud. Vous voulez le mélanger? Comme ça, c'est vous qui. Ah, c'est pas mal déjà. Non, c'est bien, c'est plutôt bien mélangé. Alors, attendez, hein. Je regarde un peu. Ouais. Alors, attends, c'est bon?
Là, il regarde. Voilà. Et vous, vous allez remettre en combien de temps? Bah, moins d'une minute, je pense, sûr. Après, je peux réussir à faire mieux en fonction du... Allez-y, on est parti. Ok. J'ai jamais rien compris de ça. C'est un peu froid en plus là, donc c'est pas non plus. Ah. Il va avec les mains. J'ai bien mélangé là. Quoi ? Excellent. Et voilà. Fabuleux, bravo. Félicitations. Merci. Beaucoup de choses viennent de se passer là en si peu de temps. Déjà, en fait, le Rubik's Cube là, c'est juste la dame qui a vérifié mon sac, qui a vu que j'en avais un. Du coup, je l'ai fait devant elle parce que vous voulez que je le filme, donc voilà. Et là, du coup, j'ai trouvé un cher abonné. Tu t'appelles comment ? Joris. Tu t'appelles Joris, ok, super. Qui fait des compètes de Strongman, qui du coup, je viens de le réquisitionner pour tenir ma caméra. Ça va, c'est pas un travail trop compliqué ? Non, ça va. Parfait. Bon, il va pas pouvoir nous suivre tout le temps, tout le long, donc j'en trouverai un autre. Et puis je l'exploiterai à son tour. Voilà, super. Au final, j'en ai trouvé un autre. Y'a pas de soucis. C'était dur. Du coup, je voulais le réquisitionner lui à la base. Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Corentin. Corentin, super. Bah, enchanté, Corentin. Entre physicien, parce que moi aussi, du coup, j'ai fait un master en physique. Ok, super. Alors, moi, j'ai pas fait un master en physique, je suis ingénieur. C'est franchement, tes conseils sont incroyables. Merci, ça fait plaisir. J'aime bien quand tu détruis tout le monde et tout. Ah, c'est bon. Il a des bons termes scientifiques. Des fois, je me trompe. Ultimate, de toute façon on n'est pas parfait. Exactement, tout à fait. Bah super. Bah écoute. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci. Bah je suis chaud pour faire une photo, on peut faire une photo. Mais bien sûr, y'a pas de soucis. Vas-y, vas-y. Tu peux tenir ça. Parce que du coup, attends, qui va réquisitionner? Je vais réquisitionner quel abonné, moi je veux savoir. Si tu peux faire, ça m'arrange. Super. Il voudrait. Il sait pas s'il va pouvoir, moi du coup, me suivre sur tout le long. Parce que lui, il faut qu'il fasse son statut aussi. Strongman, attention. Ah. C'est bien, franchement, c'est super, tu fais du sport déjà. Donc du coup, est-ce que toi, tu peux... Moi, je suis pas compliqué, moi, je vais suivre. Enfin, franchement, c'est limite moi qui vais vous suivre. Ouais. Bah, moi, je vais pas déranger. On a pris le planning pour regarder un peu comment ça se déroule et tout. Donc il y avait un plan, je sais pas où. Tiens, bah plaisir, bonne chance à toi pour ta compète. Donc toi, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement, moi, perso? L'attaque. Ouais, pareil, moi, c'est les machines et tout. Exactement. Exactement, ouais. Donc les machines et tout. Bah on va direct machine, ça te... Ouais, carrément. Allez, carrément du coup. Bah machine alors. Après manger aussi. Alors, moi si je peux boire, moi ça me va. Donc du coup là, on a... Hop là, on a réquisitionné... Donc attends rappelle-moi ton prénom. Moi c'est Corentin. Corentin, et du coup ta copine Marie. Marie, que j'impose du coup dans ce truc-là. Ça vous dérange pas d'être filmé? Non, y'a pas de soucis. Parfait. Comment ça se passe? Bah je crois les machines c'est là-bas, parce que je vois Technogy, Matrix, ouais. Machines. Bonjour. C'est surtout Panatta qui m'intéresse. Je sais même pas ce que c'est, franchement je connais super, rien. Des machines vraiment super bien développées. Ok. Vraiment en fonction, tu peux tout faire, genre modifier l'angle, l'orientation. Ça c'est intéressant. Ça on va pouvoir voir un peu, franchement je vais venir, je vais être là en mode. Alors là ça fait ça. Je vais sortir la calculette, peut-être pas non plus. T'as vu la calculatrice? Même pas, j'y ai même pas pensé. Tu sais, je me suis pas dit, oh va y avoir du bruit, oh le ouais. Micro et ça va être une catastrophe. Je vais peut-être sortir un micro-cravate. Ouais. C'est gentil, merci. On exploite tout le monde, c'est parfait. Ouais. Moi, c'est un abonné, vous ne connaissez pas. C'est une dinguerie. C'est génial. Ça, c'est cool. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, technologique, c'est dans un autre monde. Ok, donc en gros, leur leg extender là, t'as. Moi, j'adore la science, j'adore les trucs. T'as genre des trucs, tu règles sur l'écran et ça bouge en temps réel ton placement et toutes tes conneries. C'est dingue. C'est génial. Ok, les gars, actuellement, je suis en début d'école d'ingénieur. Franchement, ce qu'il fait, c'est super bien. C'est allier la mécanique, la muscu, tout ça, c'est vraiment super et c'est vraiment ce que j'aimerais faire après. Donc, t'es un modèle. Merci, chef. Continue comme ça. Ça fait plaisir. Bah, toute réussite, enfin, que toute la réussite à toi, du coup. Merci. Ouais, je lâche rien.
parce que du coup là quand même, enfin à un moment donné, voilà. Si t'as vraiment envie de focus trapèze ou un autre point, tu sais, tu peux adapter la machine, ta position, tes trucs en fonction de ta morphologie. Franchement, très bonne machine. J'aime beaucoup. Ah, c'est pas mal aussi ça. Il a resté encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Bon, j'aurais quand même réussi à taxer un abonné et une bouteille d'eau chez Instand. Je suis un gratteur de doux. Je m'en fous, on s'amuse. C'est bien, c'est un seul signe. Allez, go. Positionné pour tester qu'est-ce que j'ai dans mon corps, en gros. Une bouteille d'eau là, actuellement. Je connais pas mes stats. Mais on va pouvoir voir combien de body fat j'ai, combien de muscles aussi en pourcentage j'ai dans mon corps. J'ai jamais fait. Alors, à savoir aussi, une chose, ça a une influence sur la flotte, si jamais t'as bu ou pas beaucoup d'eau, ça c'est à savoir. Donc voilà, c'est pas fiable à 100%. Le truc le plus fiable, c'est où tu vas dans une bassine et où ils pèsent ton poids avec des câbles et tout ça. Enfin, et là, t'as des données fiables. Mais là, sur les balances, en gros, ça fait passer un courant électrique dans ton corps. Pas assez pour t'électrocuter, calme-toi. Mais en gros, ça permet avec l'impédance de ton corps, la résistance qu'applique ton corps sur le circuit électrique, et ben tu peux déterminer la masse grasse et les muscles et les trucs. On peut pas passer un bilan, c'est ça? Je sais pas, allez, vas-y. Ok, faut que j'enlève mes chaussettes. Ouais, c'est ça, et chaussettes aussi. Ok, chaussettes. Bah oui, et qu'on fait passer le courant électrique. Mais tu sais quoi, je vais même enlever. Tiens. T'as déjà fait un bilan de body? Jamais. C'est vrai? Attends, j'ai juste enlevé. J'ai un short en dessous, t'inquiète pas. Ah bah, tu fais ce que tu veux après. Hein. C'est toi qui vois, moi franchement. Voilà, comme ça on voit niveau de gras un peu à peu près ce que vous pouvez avoir. Et on va voir du coup combien ça représente en body fat. C'est génial. Alors on va avoir plus d'informations que ça. Ah ouais? On va avoir plus d'informations que le body fat. Je sais pas quoi du coup. 1m75. Plus ou moins. Ah mais tu vas pouvoir avoir. Ouais. On va pouvoir voir ma taille aussi. Ah il est affiché. Parce que même moi je connais pas précisément. Vas-y, je te laisse monter. Tu te cales bien droit derrière. Faut bien se tenir droit comme ça, tu vois. Tu essaies de grandir des centimètres un peu. 176,6. Je te laisse monter sur l'appareil. Allez. Comme ça? Ouais, c'est ça. On bouge plus, ça va prendre la mesure de poids. 80. Ouais, c'est normal, il marie, il teste, il regarde, il essaie de préciser. 83,2. Là, normalement, c'est le moment où tu rates. Vous voyez, je vous dis pas que des conneries, hein. Non, je fais jamais de prise de masse. Je fais jamais de prise de masse, les sèches. Tu mets ce pouce là, hop, ça va prendre l'empreinte. Comme ça, le jour, si un jour tu l'as été celui-là. Ah ouais, ça va prendre déjà dedans. Numéro de téléphone, lui, moi. Ouais, façon de draguer. Marque pas ça, hein. Tu vois, j'ai un collègue moustachu, j'ai toujours rien fait pour les moustachus. C'est très belle, très belle. Là, on est sûr. Ouais, mais moi, j'en prends pas soin, moi, je suis rien du tout. Moi, je suis responsable. Pouvoir la remonter comme ça, c'est. Âge, j'ai 24 ans. Allez. De 99. Ça c'est bon. J'accepte. Ouais, de toute façon t'as pas le choix, c'est réglé. Je te laisse mettre les talons bien sur les électrodes. Ok. Tu prends les deux barres, on pose là les pouces dessus et on écarte bien de manière à qu'il n'y ait pas de contact ni au niveau des aisselles ni au niveau de l'entrejambe. Ça va? Ouais. Attends, l'entrejambe ça va être compliqué, j'ai grosse cuisse un peu. Là comme ça? Eh sinon on met une feuille au milieu, hein. Bien à ce que le courant il passe bien. Ouais. Il y en a pour une demi-heure, allez, à tout à l'heure. Bon, je pense que je suis en dessous de 20, ça c'est sûr, bah oui, en dessous de 17 même.
Je pense que je suis aux alentours des... Ah, les cheveux. J'ai enlevé mon élastique, j'aurais pas dû. Donc moi, j'estimais, on me dit pas t'abuses. On va voir ça tout de suite. Ah, mais abuse sur quoi? Sur les cutanés? En estimation visuelle. Ok, il n'y a pas de vraie estimation purement. Je me suis dit, je suis entre 10 et 5. Sur votre téléphone, c'est quoi? Allez. Oui, sur votre téléphone, c'est inscrit. Bon, ouais, déconne ta machine. C'est tout bon. Vous devriez je suis à 6%. Non. Sur 300 voix. Ah, c'est possible. Ah, si, si. C'est quoi? Ça varie pas en fonction de l'eau que t'as bu, etc. Si, forcément, si tu veux, mais on va dire que ça sera quand même à la marge. Après, en fait, c'est ça qui est assez drôle aujourd'hui, c'est qu'on a tous un peu un rapport assez biaisé par rapport au taux de masse basse. Attends, je suis à 6%. T'inquiète, hein. T'es à combien? 6. C'est déjà plus 5%. Mais sur la barre. C'est pas possible. Attends. C'est-à-dire que là, je fais 85, j'ai 83 kilos à 6% de petit. Putain. 100, 0, 0. Genre, 100, 0, 0. Ouais, genre vraiment. C'est un mec marqué. Genre, ouais, j'ai vu plus de 100, mais j'ai vraiment chez des bodybuilders très compliqués. En gros, si tu veux, ça c'est l'équilibre entre ta masse musculaire et ta masse basse. Et en gros, plus t'as une grosse masse musculaire, plus ta masse basse est faible, plus t'as un score qui sera élevé. C'est un petit moyen visuel pour voir l'évolution de la masse musculaire. Je veux juste deux minutes mettre, en fait, en gros, un étude. Du coup là ici là il y a il y a tout ce qui te il y a les grandes composantes de ton corps, ton eau corporelle, ta masse musculaire sèche, tes minéraux, donc c'est ton ossature, mais aussi tout ce qui est cartilage, ligaments et tendons. Ok. Et après on a ta masse grasse dedans, juste ici. Bah attends, mais 5,3 kg de masse grasse sur l'ensemble de ton corps. Eh ouais. Ensuite 73,6%, donc ça c'est ta masse maigre, c'est ta masse musculaire, tout type de tissu musculaire, le cœur, le système digestif. Avec 6% de body fat, c'est pas possible. Ouais, mais après, c'est pas. Ouais, mais. Comment te dire que. Oui, ok, si tu veux, genre, si jamais on prend. Allez, on va aller voir ton équilibre hydrique. Okay. Toi, t'es à 0,361, donc on va dire que t'es vraiment à la tranche assez basse. Donc, tu vois, là, déjà, rien que sur ça, il y aurait potentiellement des petites choses à faire pour te remonter d'un point de vue hydrique. Ok, parce que ça, c'est pas bien d'être. Bah, en fait, si tu veux, t'es pas loin d'être quand même très très bas. Donc, si tu veux, c'est vraiment l'équilibre entre l'eau intra et l'eau extracellulaire. Ouais. Mais le fait que tu sois quand même déjà assez sec, et après, en fonction de l'hydratation de tes cellules, si tu veux, c'est vraiment là. J'ai vraiment pas bu beaucoup d'eau aujourd'hui. Bah, voilà, si ça va impacter. Parce que là, j'avais la bouche asséchée, je suis allé demander des bouteilles d'eau, tu vois. Sois le genre. T'inquiète, on court partout. Voilà, 6,5. Ici, donc le score in body, ok, je t'en ai parlé. L'objectif, voilà, équilibre, graisse, masse musculaire, masse grasse. Et surtout, du coup, par rapport à ça, voilà, ça donne un petit score. L'objectif, c'est 80, dans un idéal de santé. Bon, voilà, très bonne. Donc 100 sur 100. Et après, on peut dépasser les 100 points. Moi, j'ai déjà vu. Ok. Là, la surface de graisse viscérale, la graisse qui entoure tes viscères, ça les protège. Lorsqu'on en a en excès, il y a pas mal de risques en termes de pathologie. Donc toi, c'est parfait. Tu es dans la partie gris clair et en plus tout en bas du nuage, donc c'est parfait. Pas de recommandation, bah forcément, tu as une très bonne masse musculaire, tu as une masse grasse qui est très faible, donc c'est top. Là, c'est ton métabolisme de base. Ok. Ouais, j'ai un métabolisme du minimum. Très rapide. Je suis au-dessus des standards maintenant. Grosse masse musculaire, gros métabolisme. Ah ouais, ok. Grosse masse musculaire, gros métabolisme. Ouais, après bien sûr, tu des choses, ouais, il y a aussi quand même bien sûr la partie, on va dire. Écoutez les moustaches, tu parlais. C'est ça, tout ce qui est endocrinien, tu vois, qui peut prendre le dessus. Mais on va dire que là, si jamais on part de l'analyse de ta masse musculaire et du coup qu'on en détermine ton métabolisme, on arrive à 2053 kcal, qui est beaucoup déjà. Après, ton ossature, bon bah pas de problème, tu fais de la musculation, t'as des os forcément très solides parce qu'il y a beaucoup de contraintes à cliquer dessus. Je sais que j'ai une ossature très lourde aussi. Ah ouais. Là, 4,35 que ton ossature. Hein. Parce que j'ai des poignées très fins, tu regardes. Ouais. Mais par contre, je sais que j'ai une densité osseuse qui est extrêmement élevée. Écoute, là, en tout cas, 4,35. T'es 1,35 kg au-dessus, on va dire, de... J'ai 1 kg de plus que les standards en ossature. Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est des intervalles de santé. Okay. Forcément, que chez un athlète qui va s'entraîner énormément, on sera hors de ses standards à chaque fois. Mais c'est intéressant de pouvoir comparer d'un instant T avec un protocole, un travail spécifique. Et hop, après, tu vois l'évolution. C'est génial, ok. Le petit QR code pour mettre sur l'application. Okay. Et après, derrière, l'angle de face qui est la qualité en fait de la membrane cellulaire et de la cellule. Et un homme, donc, est entre 6 et 7. 8, je l'ai pas vu souvent. Mais d'accord. En même temps, ici, on est... Et ça veut dire que c'est bien? Ça veut dire que c'est très bien, très 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 bien. Franchement, sincèrement. Okay. Voilà. Puis après, derrière, t'as... Magnifique bilan. Et bien équilibré, tu vois, aussi au niveau musculaire. C'est là, bien, sur le haut du corps, t'as un petit delta quand même entre ton bras droit et ton bras gauche. Sur tes jambes, par contre, t'es très symétrique.
et après entre le haut et le bas, ouais, tu vois, j'ai pas l'impression parce que quand tu regardes, j'ai toujours cette jambe-là qui est alors assez en termes de poids musculaire, oui. Après, forcément, en termes de visuel, il peut y avoir après, y a la génétique qui joue. Ouais, il y a la génétique. Donc, voilà. Et... oh, c'est confirmé, j'ai une godlike génétique. C'est le 6% de body fat qui me perturbe, moi, parce qu'en vrai, what the fuck, j'estimais à 12 au moment du coup. Donc 6%, ouais, ça m'étonne. T'en as dans tes muscles. Et en gros, voilà, si le truc, c'est que dans tes muscles. Je la stocke surtout sur les jambes et dans le dos. Ouais. Merci à toi. Avec plaisir. Réseaux sociaux. Je m'appelle Guilhem, je suis sur les réseaux sociaux sous le nom de Prestetics. Et du coup, je fais des maths et de la muscu. Alors moi, les mains, elle est pas ouf, tu vois. On peut tenter, tu vois. C'est pas mal. Attends. Là, comme ça, là. Là, on laisse. Ah, mais vas-y. Super, merci. Merci toi aussi. Bon, c'est bon, j'ai libéré le pauvre abonné que j'avais réquisitionné. Bon, je l'ai follow quand même, parce que ça fait plaisir. Il a fait du bon taf quand même. Il a fait des petits plans, il a fait des petits trucs. Franchement, Cali sur 20. Et j'ai vu Essan de loin, mais on a pas réussi à l'avoir. Et on a refait l'autre 4 fois, on n'a pas réussi à le choper, parce que j'aurais bien aimé, tu vois, lui discuter un peu avec lui. Enfin, Essan, c'est quand même le GOAT, tu vois. Sinon, non, franchement, c'était sympa. Là, je vais partir. Je vais rejoindre ma copine qui doit m'attendre pour pas trop me faire engueuler. Et du coup, là, demain, le vlog va pas s'arrêter. Demain, on va aller à la patinoire. Puis on va faire un peu de patin. Puis je vais vous mettre des petits plans sympas. Et puis on est bon. Donc, du coup, voilà. C'est parti. Ouais, c'est un plaisir quand même. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas marché avec des patins. Ah ouais. Les coulisses. Dans les coulisses, de la patinage. Ah. Allez, va patiner. Ok. Le mec, il a du flow quand même. Oh oui, tu parles d'un flow. Mec, tu danses, qu'est-ce que tu fous? Parfait. Je t'avoue que j'ai pas confiance à ce que là j'ai sorti. Je suis plus à la GoPro. Hein. La GoPro elle est là. Non, regarde, j'entangle. Ah ouais, ça flingue. C'est trop bien. Ça fait le taf. Sachant que c'est léger en plus. Tiens, je le fais avec le 72. Parce que du coup, voilà, je suis avec un de mes collègues, pour vous expliquer un peu, un vieux pote. Il a commencé la photo avec moi. Ah ouais? Ouais, c'était le pire. Ah bah ouais. Et du coup, voilà, il a commencé la photo avec moi et là, il a du matos... Bah c'est gros quoi. C'est énorme. C'est un 70-200 f2.8 de chez Canon. Avec un Canon R6. Ouais, R6. Donc on est sur du Canon, on est sur de la grosse... Ouais. What the fuck, bro? La gueule du zoom. Oh là là. Ouais, c'est assez support. Faire du vlog. Genre moi j'ai un objectif, c'est un 28-70. Là je suis actuellement à 30 cm, tu vois. En blague. Et lui il est obligé d'avoir bras tendu et encore ça zoom dans les yeux. T'es en 28 là? Je suis en 28 là. Ah ouais, bras tendu quand même. Alors, bras tendu, j'ai les deux, mais voilà. Mais question, on va bien entendre un micro. Ah, ouais. Bon, alors ce cher monsieur ici présent s'est acheté un nouvel iPhone 15. Attends, il y a le flash. Ah oui, parce que c'est de la merde. Donc il s'est acheté le nouvel iPhone 15 Pro. Voilà. Et du coup, il est en train de dire que c'est meilleur qu'une GoPro. Bah, on va voir. En stabilisation. On va faire un. Je vais tenir la GoPro là, comme ça, et je vais le suivre. À la trace. Ah, tu me suis moi du coup? Ouais. C'est moi qui suis. Ok, c'est bon. Je vais juste poser mon porte-monnaie, si ça va être compliqué. Tu veux le prendre? Absolument. Ah, c'est lourd, hein. Quelle couille. Elle est lourde la GoPro. Ma gueule. Ça va pas être pratique. Et tu vois la GoPro déjà elle est plus pratique pour la mise en main. Donc on a les deux plans, tu me les enverras après. Ouais. On va tester GoPro contre iPhone 15 Pro. Ok. Et voilà la chute. La chute fatale, il fait tomber des enfants. Il fait tomber des enfants le bruit esthétique.
Ah ouais, ça se fait fort hein. Il gère le braise hein. Il avance hein, il roule hein, enfin il glisse plutôt. Là. On passe par là. Allez, c'est bon, j'ai ma dose. Ah, j'ai mal aux jambes. Ah, moi aussi, j'ai mal au cul, je t'avoue. Bon, on voit ce que ça donne. Vas-y. Tu vlogues encore. Là, une fois, il a une meilleure tenue de l'horizon. Ouais. Par contre, la plage dynamique de la GoPro est meilleure. Ça, c'est sûr. Tu vois, j'ai plus de détails dans les ombres. Tu vois, regarde, la veste, elle est toute noire. C'est du HDR. Si je désactive le HDR, c'est pareil. C'est juste que ça contraste plus et ça met plus en valeur les lumières. Ah, ouais, c'est pas beau le HDR, moi j'aime pas. J'aime pas sur iPhone, je t'avoue, c'est chelou en fait. Il est mal géré. Moi, je le désactive à chaque fois. Et là, si tu trouves que c'est pixelisé, parce que je suis en grand angle. Et genre, par exemple, regarde. Oh la vache. Ouais. J'ai pas de problème, moi, avec la GoPro. Regarde, regarde. Donc, GoPro mais plus qualitatif voilà. en basse lumière. Ouais. C'est pas étonnant, il y a un plus grand capteur. Plus grand, ouais, oui. Bah, le capteur, il est en dessous. Il y a un plus grand capteur que sur les iPhones, donc nécessairement. Par contre, là, j'ai la GoPro Hero 8, pour que vous voyez un peu. Et là, c'est l'iPhone 15 Pro, c'est le dernier. Donc, le suivi de l'horizon est meilleur. Regarde le flow, il y a du grain. Ah ouais, la vache. Et si je m'en foire un, il y a plus grain. Oui, mais c'est. Ouais, okay. Parce que le grand angle, il fait la merde. Ouais. Ça, c'est chez tous les membres. Voilà, plus de définition avec la GoPro. Peut-être un peu moins stable, mais après ça c'est la 8, je suis sûr que sur la 12. Ouais, la 12 elle est violente. Laisse tomber. La 12 elle t'éclate. Ouais, ouais. Mais voilà, pour 250 balles. Ouais. Ah oui. Ouais ouais ouais. Niveau prix, ouais. Ouais, après c'est un téléphone, je peux faire plus de trucs. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez une caméra d'action, investissez plutôt dans une GoPro, vous aurez tout de suite des images très. Même la 11 elle est bien. La 11, même la 8. Ouais. La 8 qui est vieille, là j'ai la 8, ça fait du taf monstrueux, puis c'est costaud, le micro est pas dégueulasse. Là c'est le micro natif de la GoPro, d'accord. Vous allez voir, moi j'entends pas, mais je te jure qu'il est vraiment. Ouais. T'as vu mon court-métrage ou pas? Vite fait. Celui en vélo. Ah, si vous avez fait les cons là en vélo. 800 km à vélo. Ouais. Quasiment 80% des plans, c'est des pneus à la GoPro. Et le son, c'est de la GoPro. Super. Donc voilà, bon, on va tourner, on va continuer à patiner, nous on va faire des plans. On va essayer de faire encore des plans un peu stylés, un peu marrants. On va filmer ça à l'appareil. Vous aurez des belles qualités d'image. Abonnez-vous. Ouais, parce que ça y est, c'est la fin du vlog. C'est fini. La fin. On a passé un bon moment, c'était cool. Moi, je vais rentrer à Vannes, donc là, il me dépose à la gare. Bah, on y est, là. Film à level, en plus. Et magnifique. Quelle jolie gare, quoi. Donc voilà, abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire. Nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Le OnlyFans. Le OnlyFans, brocoli. Faut penser à la promo du OnlyFans, c'est important. Apportez-moi des pour voir des brocolis bien mûrs. Et des recettes de brocolis. Ouais, des recettes de cuisine. Pas que des brocolis, peut-être. Ça va changer, c'est pas. Je sais pas. Pour l'instant, il n'y en a pas une seule. Peut-être que tu vas poster des potirons après. Bon, allez, tchuss.